Et coucou, nous sommes mardi 24 janvier, je suis toute seule aujourd'hui. En tout cas pour manger et tout ça, il est parti encore en formation. Il va revenir en fin d'après-midi et j'avoue que moi, ça me permet de bosser mais à fond la caisse. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre autant de temps le midi en pause quand il y a Eric. Et que là, je suis vraiment toute seule, je viens de descendre. Je me suis fait une toute petite purée. J'ai ma pomme et j'ai un petit bout de pain qui est en train de chauffer, un bout de pain qui était un peu dur, donc j'ai petit tips, je l'ai mouillé, je le passe au four et t'as l'impression qu'il sort de la boulangerie. C'est le festival devant chez moi de camions, de camionnettes, de barzingues. Elle est bien bonne là, cette petite purée. Je suis sur le montage là de la vidéo de la boxe de janvier. Qui sera déjà sorti quand vous verrez ce vlog. Je vais en profiter aussi parce que forcément quand c'est une fin de production comme ça, la maison est envahie. Mais quand je dis envahie, il y en a partout, de plastique, de carton. Donc je vais en profiter, je vais faire ça. Une fois que j'aurai terminé tout mon petit taf là, il faut que je passe aussi, j'ai les toutes dernières box à la poste cet après-midi. Mais j'ai envie de désencombrer. Oh, ça m'épate à chaque fois. Oh, trop bien. Il est 16h13, je vous ai pas repris avant. J'ai été à la poste aussi, déposer les dernières boxes et j'ai fait ce que je vous disais, tous les cartons. Donc ça c'est tous les cartons pliés, ça représente la box de janvier. Voilà en fait, quand ils étaient tous formés, ça te remplissait une pièce. Et ça comme je vous disais, c'est le tout venant, les plastiques, les rouleaux de scotch qui sont terminés, enfin il y a plein de choses. Je me suis aidée de ça quand même, parce qu'il y a certains cartons, c'est hyper dur, ils sont trop scotchés. Ah, je me sens... Enfin, c'est pas encore terminé. Je fous tout dans la bagnole. Et après, je me sentirai un peu mieux. Good. Nous sommes donc le lendemain. Il est 11h30. Et ce midi, on va manger chez ma maman. Elle nous invite pour un pot-au-feu qu'elle a commencé à cuisiner déjà hier. Par contre, Eric, lui, finit à midi. Donc, le temps de venir me chercher, il reprend à 13h. Donc, autant dire, ça va être juste. Mais moi, je vais rester après avec elle. Hier, j'ai très peu vlogué parce que, bon, il y a Eric qui est revenu de la formation. On a discuté. Et après, il y avait donc ma vidéo qui est sortie sur Box le Boudoir. Et j'étais un petit peu à l'affût de voir les commentaires parce que j'appréhendais. J'ai pris quelque part un peu à risque. C'est la première fois que je mettais un bijou argenté. Pour un peu contenter tout le monde parce que je mets que des bijoux dorés. J'avais un peu peur du retour. Surtout que le tout premier com qui est tombé était pas ouf. C'est-à-dire que la personne était déçue justement d'avoir un bijou argenté. Donc j'étais là... Hop, 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 hop. Et après j'ai eu plein de commentaires très positifs. Donc les gens sont contents. Donc ça c'est très bien. Et il y avait même des personnes qui mettaient sous le commentaire de la personne qui était déçue. Je peux le comprendre complètement. Ah bah si vous êtes déçu, je veux bien vous la racheter. Et voilà, donc la personne expliquait que non, parce qu'elle avait mangé les gourmandises forcément et qu'elle avait déjà prévu d'offrir un peu à droite à gauche. Mais c'est toujours un stress hein, quand tu prends des risques comme ça, quand c'est ton propre bébé en fait. J'ai lu tous les commentaires, j'ai répondu encore à personne. Il faut que je le fasse parce que je sens que je vais prendre du retard. Vu que là il est 11h46, Eric va venir je pense vers midi et quart me chercher. Ça me laisse un petit peu de temps. C'est drôlement bien. Le pot-au-feu. Je veux le gros sel. Hein. Cool. Je suis de retour à la maison après ce... C'était trop bon. Très bon. Et ça vient de sonner. Je n'attends rien. C'est à mon nom. Ça doit être Eric qui a commandé ça. Ah, c'est peut-être le troisième livre manquant. Le piano en 15 minutes par jour. Pouah. Ah oui, il est différent. Attends, parce que j'ai vraiment pas les bases solfège, quoi. Donc, il semblerait, comme je vous disais, qu'avec cette méthode et un piano à la maison, si tu en fais 15 minutes par jour, eh bien, tu apprends le piano. Ça m'intrigue, cette histoire. Je vais avoir des choses entre la philo, la médecine et le piano. Je vais en avoir plein la tête. Ça se trouve, c'est des cours, les différences du piano. Ah ouais, t'as même sur les différents pianos, les pianos à queue, les pianos droits, le clavier numérique, les positions. Ça va devenir virtuose, moi. Les positions de corps et tout. Il faut que j'arrive à m'y tenir, franchement. Ah bah les doigts, oui, forcément, les doigts. Les mains en position vers... On m'a toujours dit que j'avais des mains de pianiste. C'est déjà ça. Ouais, t'as vachement de théorie. Hein. Forcément, il y a de la théorie de fou. Le point d'or, le double bar, la barre de reprise. Wow, la barre de fer. Allez, je me donne 6 mois pour sortir un petit truc. 6 mois, c'est pas mal. À raison de tous les jours 15 minutes. 15 minutes. C'est un sacré challenge. J'ai pensé à ça. Parce que puis là, il fait sombre. Je vous dis, il est que 16h, mais
C'est hyper bas, c'est gris, c'est pas ouf. J'avais pensé donc aller, je vous ai dit, chez Kiabi, voir la collection hiver et puis peut-être faire une vidéo comme j'avais fait en essayant quelques pièces. Pas forcément en achetant, hein, mais en essayant déjà sur place. La dernière fois, ce qui était cool, c'est qu'il n'y avait pas de musique. Mais je pense que je ferai ça demain, enfin dans cette vidéo, mais j'irai plutôt demain matin. Je serai plus dans le mood. Là, je suis éclatée, fatiguée. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être le temps, tout. Il faut que je contrôle parce que Jack... On s'inquiète vite. Hein. Mais quand je suis rentrée tout à l'heure, Jack m'a pas accueillie. Chose qu'il ne fait jamais, il est tout le temps en train de miauler, m'attendre et tout, il me fait la fête quelque part. Et donc je suis montée, il était à l'étage dans mon bureau, il a les oreilles chaudes, donc l'intérieur chaude, la truffe chaude, et il est un petit peu, pas amorphe, mais moins vif, il a l'air fatigué. Donc je vais voir, je vais pas non plus m'affoler tout de suite, c'est que depuis ce matin, si demain ça va pas mieux, j'appellerai quand même la véto pour voir si on fait un petit check. Hein, Bilou ? T'es malade ? T'es fatigué ? Non, Bilou. Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des câlinous. Eh oui, sous la couture, tous les deux. Eh, mais je suis en train de penser à ça. Je vais à lui. J'ai envoyé le devis signé pour lancer les travaux. Ça fait 8 jours, j'avais même envoyé un petit message pour faire le virement, quoi, et je demandais le RIB. Et j'ai pas de réponse, ça fait 8-9 jours, je suis en train de me demander, ça se trouve, ils ont jamais reçu mon mail, je vais les appeler. Qu'est-ce qu'il y a, petit loup ? Hein ? Qu'est-ce que t'as ? T'es pas content ? Il est 9h30. C'est le lendemain, évidemment. Oh là, attends, je suis en décalé. Là, il s'est tiré. Jack voit beaucoup mieux. Ses oreilles ne sont plus chaudes. Il a la patate. Il a même essayé de voler. Donc, tout va bien. Et avant que j'oublie, j'ai pas réussi à voir non plus pour les travaux. Bon, je réessayerai plus tard. Ouais, donc là, je vais... qu'est-ce que je fais comme coiffure ? Voir la collection qui habille. Et puis, voir ce que je peux faire en visuel, en vidéo, tout ça, tout ça. Je suis lavé les cheveux et quand je... Ah non, mon ongle. Quand je me lave les cheveux, c'est très dur de les coiffer. Après, je vous mets là, ça sera mieux. Tous mes vernis semis sont en train de sauter, un sur deux. Donc je pense que ce soir, je vais tout enlever, ça fait pas, c'est pas ouf. Voilà, donc moi je suis prête pour aller filmer un petit peu la collection hiver. Ça c'est mon look, la jupe, le collant qui est encore filé. Deuxième trou du super collant thermo machin machin. Et les cuissardes plates. Il faut aussi quand même à midi que j'aille chercher Eric. Je suis arrivée. Le temps est pas ouf. Solde jusqu'à moins 70%. Bon, il y a de la musique. Même si ça va, elle est pas hyper forte. Je vais essayer de bien parler dessus comme ça. C'est un peu style Petrushka. J'avais des petits vêtements comme ça quand j'étais toute petite. Donc là j'imagine que c'est la nouvelle collection. J'aime pas quand les pantalons finissent comme ça, tout droit. Je trouve que c'est pas flatteur pour la silhouette. Alors ce genre de choses, je dis non. En tout cas, pas pour moi du tout. C'est à 25 euros. Vous voyez tout ça, je trouve que c'est similaire sur l'ensemble. Je suis pas hyper convaincue quand même là. Là, j'ai l'impression que c'est rétrograde sec. Ça, on peut pas dire. Ça peut être mignon, ça dépend comment tu le mets. 20 euros. On a le long pull robe, mais pour le coup, il est peut-être un peu trop long quand même. Bon, bah écoutez, j'ai trouvé quand même quelques petites pièces qui m'ont l'air pas mal. Je vais essayer tout ça. J'ai l'impression que ça va, hein. La musique, on n'entend pas trop. On commence par cette première pièce, toute mignonne. Bon, bah écoutez, déjà, je trouve ça super mignon. Très confortable, parce que c'est pas très très épais non plus. Ça tombe bien. Je me pose surtout la question, est-ce que j'en ai besoin ? Non, forcément. Est-ce que j'ai déjà ce genre de pièce ? Eh bien non. On passe au sous-pull. Celui-là, il est bleu marine. Et j'ai pris aussi un gris, là, je viens d'essayer. Hyper confortable, tout doux. J'aime bien, moi, le gris, comme ça. Là, pour le coup, c'est trop mignon, avec ce que je porte. Ah, j'ai bien fait de mettre la jupe. Je me suis dit, tiens, tu risques d'essayer pas mal de haut. Au niveau du cou, bon, ça me gêne un peu. Je pense que je vais réussir à m'y faire. C'est quand même pas mal d'avoir ce genre de pièce. Oh, j'adore. Ça doit arriver à peu près ici. Ah oui, le prix... Le prix, c'est combien ? 15 euros. Ouais, bah écoutez, plus triste, je trouve, en tout cas sur moi. Je vais en prendre qu'un, en plus, c'est quand même 15 euros, donc le gris, je trouve, me va nettement mieux. Ensuite, cette petite jupe pied de coq, poule, coq, allez. Taille S, j'aurais bien aimé M quand même, mais j'ai pas trouvé. 13 euros. J'ai fait un test, est-ce que vous allez voir ?
si je zoome. Voilà quoi. Je sais pas quoi en penser parce que j'aime bien quand même le petit motif. Alors là, j'ai fondé beaucoup d'espoir sur ces pièces, des pantalons. Et moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des pantalons qui me vont. Bon, alors pour le coup, j'ai essayé la taille 38 et je nage un petit peu. J'arrive pas à voir des fesses, comment ça fait. Je vais essayer de sortir. C'est trop large. Ça fait un peu clown. Non, c'est pas terrible. Hein. Bah écoutez, là, mieux, beaucoup mieux. En 36. Bon, allez, je sors. J'aime bien ce côté un peu fluide. Ouais, c'est pas excessif en plus. Je pense que je vais le prendre. Je pense qu'il va être très très moulant. J'ai un peu peur de ça et je l'ai pris en S. C'est le genre de pantalon que tu essaies, après t'es en dépression tellement il te moule. Ça va pas du tout. C'est un legging hyper moulant. Vas-y, je sors pas avec ça. Oh non, non, je suis pas à l'aise là. C'est pas terrible. Au moins, j'hésiterai pas sur cette pièce, je prends pas. Bon, allez. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Bon, avis de passage. Pourtant, je suis pas partie longtemps. Bon, j'irai chercher demain. Au niveau du timing, je suis pas mal du tout. Hein. Je vais pouvoir aller chercher Eric tout à l'heure, tranquillement. Alors, sans grande surprise, j'ai pris 3 pièces. Cette petite veste, toute mignonne. Donc, je sais que je la mettrai très facilement. Vous avez vu qu'une jupe, c'est super bien. Avec un jean, ça va être canon. Là, je l'ai essayé fermé parce que forcément, j'avais qu'un soutien-gorge en dessous. Mais ouvert avec un petit top blanc. Très très sympa. Ensuite, le sous-pull, petite pièce à avoir, j'en avais pas des gris comme ça, et comme je vous disais, le gris, je trouve qu'il est assez flatteur sur moi, donc ça sous-entendrait que les tons froids me vont le mieux. Je me plante depuis le début. Pareil, porter avec des baskets, je pense que ça va être sympa, et je suis tellement à l'aise dedans, ça serre pas de partout, fluide, contente, et j'ai pris du coup 36, hein. 18 euros, donc 53 euros l'ensemble. Donc évidemment, aucune des pièces que j'ai choisies n'est soldée. T'avais tout le reste du magasin, mais là. Et ils m'ont aussi confirmé que la collection printemps allait pas tarder et qu'il y avait déjà des pièces en soum soum qui étaient mises dans le magasin, mais cachées, de façon à ce que ça reste pas trop longtemps. Mais ouais, ça devrait pas tarder. Je retournerai d'ici un mois ou deux pour la collection printemps. Aussitôt rentrée, aussitôt repartie, j'étais en train de faire des mails pour des marques, et là je vois qu'il est 47, en plus il pleut, non je vais aller le chercher. Ce truc de... t'étais bien calé là. Ah, attends, putain, où sont mes clés, voilà. Et j'ai super mal à ma hernie depuis ce matin, et là pour le coup c'est pas alimentaire, c'est pas par rapport à ce que j'ai mangé, franchement j'essaie de faire super gaffe là, mais je pense plutôt que c'est d'avoir forcé quand j'ai déchiré les cartons. Beaucoup, beaucoup, et à un moment donné, j'ai porté aussi une charge lourde, et ça pardonne pas. Porter les charges lourdes, tu le payes, et voilà, tu le payes 24, 48 heures plus tard, donc pas cool. Donc nous étions en train de faire notre pause repas, et là, ça sonne. Qu'est-ce que c'est? On peut savoir ce que c'est? Je ne sais pas. J'ai mangé debout, hein, bah, avec la hernie, j'avais trop... Oui, mais c'est pas pour moi, j'ai pas commandé ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça vient de Chine. T'as pris une tablette ? Oui. En même temps, ta tablette, elle est pétée. Bah oui, non, mais j'ai un problème, c'est que je regardais les vidéos sur mon téléphone. Ouais. Donc je laissais mon téléphone près de moi. Ah oui. Oui, non, mais le problème, c'est que mon téléphone me sert de réveil. Mm. Et vu qu'il était près de moi, je me levais pas pour aller l'éteindre, donc je me rendormais. Super. Donc si j'ai bien compris, c'est pour que tu puisses regarder le soir dans le lit des vidéos plutôt que sur ton téléphone. En vérité, elle fait 8 gigaoctets plus 7. Ok. Donc 8 gigaoctets plus 128 gigaoctets de. Alors, le paquet est plutôt propre, hein. Tu vois, c'est bien emballé, on peut pas dire. Hein. Ça, j'adore. Attends, juste, c'est bête, mais j'aime bien toucher ça. Bon, alors, c'est bon, je suis contente. Oh, putain, ce que c'est agréable. Bah, je dirais 120. C'est une tablette. Sérieux? Oui. Mais regarde un peu la qualité du truc. T'as vu l'écran ou pas? T'as vu ce qui se passe? Non, il est beau, il est beau. T'as déjà vu les autres tablettes? Bon, vas-y. Eh ben, ça, c'est 135 euros. Tu vois, j'ai dit quoi, moi? Ouais, mais toi, t'as dit un prix au hasard. Toi. Non. You can't blame him for wanting to sell. No, you can't. I couldn't live there. 3 heures se sont passées depuis la tablette. Par contre, vous avez vu, la qualité, elle est pas mal. Hein. Et ça va valoir le coup le soir. Je suis contente de regarder des petites vidéos. Ça va changer quand même d'un petit écran de téléphone. Là, j'ai attaqué le montage. Et je vais donc arrêter maintenant ce vlog. On va se retrouver lundi.
pour le vlog du week-end. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit vlog. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao.